Hôtep à tous, bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il au Niger? Quels sont les enjeux stratégiques ou économiques? Je vous ai déjà dit que chaque guerre est une guerre, non pas militaire, mais une guerre économique. Derrière chaque guerre, il y a des intérêts économiques qui sont en jeu. Et on le voit aussi au Niger. Le Niger ne peut pas faire exception à cela. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est au Nigeria qu'on a découvert l'un des plus grands gisements de gaz au monde. Le Niger possède des réserves de 200 milliards de pieds cubes de gaz. 200 milliards. Et ils ont en vue de mettre un pipeline qui va quitter le Nigeria pour passer, pour aller jusqu'en Angleterre, en passant par le Niger, l'Algérie et la Méditerranée. Donc c'est un enjeu capital. Mais pour que ce gaz-là puisse être exporté vers l'Europe, il faut qu'il y ait la stabilité dans tous les pays là où ça va passer. À terme, le Nigeria pourra produire 3 milliards de pieds cubes par an, ce qui pourrait lui apporter 800 milliards de dollars chaque année. Donc à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les Anglais ont besoin de ce pétrole, de ce gaz. Vous savez, depuis que les Américains ont détruit Nord Stream 1 et 2, alors, il faut que les Européens puissent trouver d'autres débouchés. Et c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que les Américains doivent se rassurer. Parce qu'il y a la compagnie américaine Chevron qui est déjà là-dessus. Ils doivent se rassurer que le Niger ne tombe pas dans les mains des Russes. C'est ce que les Américains sont partis faire. Par contre, les Français, ils n'ont pas d'intérêt. Parce que si ça arrive en Angleterre, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Angleterre maintenant qui va vendre le gaz aux Français, aux Allemands et le reste du monde. Vous voyez comment ils font, se font de l'argent sur notre dos. Alors, maintenant, les Français, leur compte c'est lequel? Si Bazoum est là, c'est qui va passer par la France, passer par le Niger, les bénéfices là, c'est la France qui va prendre ça, les royalties. Du fait que ça traverse le Niger, c'est la France qui prendra ça avec Bazoum. Si Bazoum n'est pas là, la France n'aura pas sa part. Et la France risquera même de perdre l'uranium. Elle devrait signer un contrat d'uranium pour 20 ans. Donc ça aussi, ça part à l'eau. C'est pour ça que c'est la France qui est derrière cette affaire d'intervention militaire. Mais l'intervention militaire, elle est irréaliste. Même les grands patrons, les chefs traditionnels du Niger ne sont pas d'accord avec Tinubu au cas d'une intervention. C'est pour ça d'ailleurs, d'entrée de jeu, Tinubu a dit, hors de question d'intervenir, nous, il faut privilégier la négociation. Mais aussi, Tinubu sait qu'une intervention militaire dans la région, au Niger, ça va déstabiliser le Nigeria lui-même. Et les Occidentaux, là, vont en profiter pour balkaniser ce putain de Nigeria. Et pour éviter ça, il vaut mieux éviter la guerre. Maintenant que le président Tchani a mis en place un gouvernement, ben, maintenant c'est fini. Je vais vous dire un autre secret. C'est que lorsqu'il y a un coup d'État, dans les 24 heures ou les 48 heures qui suivent, s'il n'y a pas une intervention militaire rapide, le coup d'État est consommé. C'est-à-dire que dès qu'un régime, les militaires prennent le pouvoir, il faut qu'il y ait une intervention immédiate. Après ça, là, c'est fini. On va pas, comme on demande à Bazoum, non, bon, on va prendre les militaires là, on va les accueillir dans d'autres pays de la CEDEAO. On ne peut pas accueillir l'armée. Si on accueille l'armée du Niger
dans les pays de la CEDEAO. Mais quelle armée va travailler? Les armées étrangères? Mais c'est une folie. Ils ont perdu la tête ou quoi? Non. En tout cas, le Nigeria, son problème, ce sont ses intérêts économiques. Elle veut à tout prix, il veut plutôt à tout prix que son pétrole, son gaz puisse être vendu. Et tout est fin prêt pour exploiter ça en passant par le Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore bien aimé, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.